Bon, voilà. Bon alors bien le bonjour tout le monde, comment ça va? Ça va bien? Alors petite vidéo un peu différente où bon là je suis à quelque part perdu dans les rizières au Vietnam, je sais pas trop où. Et donc en gros je voulais vous parler d'une petite chose qui m'est arrivée assez récemment. Je suis parti chez le coiffeur parce que j'avais les cheveux un peu trop longs, tu vois, surtout sur les côtés. Et du coup je voulais tailler un petit peu mais uniquement sur les côtés. Ce qui s'est passé est assez drôle et malheureusement j'ai pas filmé. Je me suis dit bah c'est un coiffeur donc rien d'intéressant tu vois. Mais putain. Donc le matin je me lève, je vois que j'ai les cheveux trop longs donc je décide d'aller chez le coiffeur. Je regarde sur internet quelques coupes pour voir parce que je me suis dit les trois quarts des gens ici ne parlent pas anglais. Je me suis dit un coiffeur bon bah forcément il parlera pas anglais. Donc du coup des photos étaient plus démonstratives que simplement expliquées. Donc le matin sur internet je cherche des photos de la coupe que je veux. Je vais vous mettre une petite incruste ici de la photo de la coupe à la base, celle que je voulais à peu près. Et je me dirige au centre-ville, je m'arrête à un petit café, je bois un petit café. Là je demande au serveur où est-ce qu'il y aurait un coiffeur dans le coin. Il m'a dit que juste ici. Donc je me dirige vers le salon de coiffure. Donc là je rentre dans le salon, le coiffeur avec un gros sourire, tout content de me voir débarquer. Là il me demande si forcément c'est pour me faire couper les cheveux. Je dis oui. Sur ce je m'installe tranquillement sur la chaise. Là il me demande bah du coup qu'est-ce que je veux. Donc je lui explique, il comprend pas. Bon du coup c'est là où la photo était vraiment plus argumentatif, tu vois, je peux lui montrer directement. Donc oui, donc je m'installe, il me demande quelle coupe je veux, je lui montre la coupe de cheveux, je lui montre la coupe de cheveux que j'avais sélectionnée auparavant le matin. Et là il me dit ok, je fais are you sure? T'es sûr? Donc là je demande s'il est sûr, si c'est vraiment, tu vois, s'il est vraiment ok, si il a bien compris ce que je voulais. Il me fait ok. Donc là il commence à m'installer avec le truc, vous savez, pour protéger. Hein, pour que les cheveux glissent sur la tenue. Il prend sa petite paire de ciseaux, son petit peigne, il commence un peu à couper sur les côtés. Et je fais ok, c'est bon, il a bien compris. C'est ensuite de ça, il commence à prendre la tondeuse. Et là, je me dis, bon, d'accord, il doit juste, tu vois, rattraper vraiment court sur les côtés et puis vraiment laisser un peu long. Et c'est à ce moment-là qu'il commence à mettre un gros coup de tondeuse ici. Et là, je fais, mais t'es sûr? Et il me fait ok, pas problème. Je fais, mais attends, mais t'es sûr vraiment là? Donc là, je ressors mon portable, je remontre la photo, il re-regarde de nouveau, donc s'il re-regarde, c'est que c'est bizarre. Donc là, il me redit, yes, ok. Et commence à couper, mais vraiment court, sur un côté. Et je fais, mais non, mais t'es sérieux? Et donc là, je lui fais, bon, bah écoute, t'as coupé trop court, laisse comme ça, t'équilibres de l'autre côté, et on arrête, tu vois. Et puis tu fais derrière. Et il me fait ok. Donc là il commence à couper de l'autre côté. Sauf que très distinctement, tu vois que ici, c'était beaucoup plus long qu'ici. C'est-à-dire que ce côté-là, il avait encore coupé plus court. Qu'il avait encore coupé plus court que ce qui était prévu. Et là il s'ensuit un truc magique. Donc en gros j'étais assis là, lui était autour. Et mon gars il faisait petits pas comme ça. Sincèrement je n'invente rien, c'était complètement, mais j'ai même pas de mots pour argumenter ça quoi. C'était du gros n'importe quoi, c'était un sketch le truc. Et le gars avait un regard mais genre mais sérieux. Mais c'était un truc de fou, déjà rien que quand je suis arrivé dans le salon. Tellement il était content de me voir arriver, il m'a pris en photo tu vois. Il m'a pris en photo. Donc le mec était vraiment content. Et il continue à couper de plus en plus court sur les côtés, sur les côtés, sur les côtés. Ça fait que maintenant je me retrouve avec une moumoute en haut de la tête. Et très court, mais vraiment très très court sur les côtés. Donc c'est pas du tout la coupe que je voulais à la base. Mais je préférais laisser ça comme ça. Je me suis dit que dans 2-3 mois ça va revenir. Forcément vu qu'il a trop coupé ça sert à rien de gueuler. De toute façon c'est fait, l'erreur est faite. Mais le truc le plus hallucinant dans l'histoire, c'est que le mec était vraiment, content de son boulot. C'est à dire qu'à la fin, quand je lui montre la photo de base de ce que je voulais et la gueule que j'ai maintenant, pour lui c'était pareil, c'était exactement la même chose. Il m'a même pris en photo à la fin. Tu vois, à la fin, il me demande en photo avec lui qui est tout content. Qui est tout content, tu vois. Il est vraiment tout content. Il me pose à côté, il est vraiment fier de son boulot. Là, je suis sûr. Là, je suis sûr que si j'y retourne d'ici 1 ou 2 mois, je suis en poster géant dans le bordel, tu vois. Dans le salon. Forcément, j'ai publié le massacre sur Facebook. Les potes se sont pas gênés pour se foutre de ma gueule. Le coiffeur m'a ajouté sur Facebook. Fier de son boulot. Donc voilà. Donc voilà, c'était la petite anecdote sur le salon de coiffure au Vietnam. Se faire coiffer au Vietnam, c'est pas forcément la bonne idée. Je vous laisse avec la coupe. N'hésite pas à t'abonner, à me suivre sur tous les réseaux sociaux. Je te mets la liste ici. À me soutenir sur Tipeee si jamais le cœur t'en dit. Et je te dis à la prochaine. C'était une courte vidéo, mais bon, petit journal de bord comme ça à l'arrache. Et je te laisse avec cette petite coupe magique. Ouais, je sais.